Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom où on va jouer à rechercher des photos. Alors pourquoi Parce que souvent, il y a des gens qui disent bah, ⁇ je ne trouve pas telle ou telle photo ⁇ Je dis bah, ⁇ recherche par exemple les photos qui ont tiré deux à la fin du fichier. Et les gens ne savent pas trop faire ce genre de choses ou même euh, retrouver un nom, une photo qui a un nom. ⁇ euh, beaucoup de gens n'ont pas maîtrisé la barre de filtre, donc on va regarder un peu ce truc-là. Euh, et pour ça, vous aurez besoin d'un catalogue de tests, donc il faudra télécharger. Le lien de téléchargement se trouve soit dans l'article du blog, ou se trouve soit dans la description de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. On va regarder comment rechercher facilement différents types de photos. La première chose, on va faire une photo qui ont un 2 à la fin de leur nom. D'accord Au niveau du nom du fichier. On va faire les photos avec un mot-clé. D'accord On va faire les photos avec une extension PSD. D'accord Celles qui sont allées dans Photoshop, par exemple. Euh, on va regarder celles qui ont un mot-clé euh, MC1 avec 5 étoiles et un libellé de couleur rouge. Pourquoi pas On va regarder, rechercher les photos qui sont des copies virtuelles. Okay. On va rechercher les photos prises en 2011 avec le mot-clé MC3 et avec un libellé de couleur bleue. Okay. On va rechercher des photos prises avec un 17-55 et qui ont 5 étoiles et dont le nom de fichier se termine par un 5. Okay. On va rechercher les photos dont le nom de fichier... Alors celui-là, il est marrant parce que je veux un nom de fichier qui contient un 3, un 6 et pas de 9. D'accord Et tout ça, on va le faire sans les collections dynamiques, évidemment. Euh, on va essayer, ça c'est pour retrouver rapidement une photo. Donc, euh, bah, je vous propose, il y a 8 recherches à faire, je vous propose déjà d'aller ouvrir le catalogue que j'ai mis à votre disposition. Donc, normalement, vous avez récupéré un fichier .zip, hein, vous allez simplement extraire tout euh, ici, euh, à cet endroit-là, très bien, extraire. Euh, il va vous extraire, il vous ouvre un truc, très bien, j'ai mon catalogue qui est là et on va lancer simplement ce catalogue là. Et donc une fois que votre catalogue est ouvert, bah, vous arrêtez la vidéo, hein, parce que maintenant il va falloir bosser. Donc euh, dans euh, le fichier .zip vous avez le petit PDF qui vous explique euh, ce qu'il faut rechercher. Et j'aurais tendance à dire que c'est à vous de bosser. Donc vous arrêtez la vidéo et puis vous regardez un peu les recherches. Vous essayez de les faire. Euh, je vous donne juste un indice. Hein. Euh, ici, vous avez affiché la barre de filtre. Ok, là, ici. Vous en aurez besoin de la barre de filtre puisque c'est avec ça que vous allez rechercher toutes vos photos. Voilà, vous arrêtez la vidéo et c'est parti. C'est bon, vous avez réussi à faire votre exercice. Allez, on va regarder un peu le corrigé. Donc, c'est un catalogue avec 40 photos ici, toutes les photos, 40. C les, il faudra vous mettre d'ailleurs sur toutes les photos, hein, parce que si vous ne mettez pas sur toutes les photos, ben, vous n'avez pas toutes les photos, forcément, quand vous recherchez. Euh, ici, euh, alors vous verrez que euh, c'est euh, les photos manquent, hein, c'est que des aperçus dynamiques pour que ça soit plus facile à charger pour vous. Mais même, même s'il n'y a que les aperçus dynamiques, vous voyez que la l a recréé les aperçus, vous montre les photos, donc c'est quelque chose qui, qui marche. Euh, ici, on a affichage, barre de filtre, d'accord ça part ici affichage barre de filtre et vous avez ici euh, différents attributs soit des attributs texte euh, soit des, des attributs sur des couleurs sur des notes sur euh, plein de choses euh, ou des choses liées aux métadonnées si vous voulez donc on va on va aller voir un peu on va aller voir un peu tout ça d'accord et on va regarder un peu ce que ça donne donc regardons la première recherche qu'on doit faire alors la première recherche qu'on doit faire c'est les photos avec un 2 à la fin de leur nom Ok, bon ben on va regarder ça. Donc ce que je fais déjà, je me mets sur 100, d'accord, pour être sûr que je n'ai pas de filtre euh, en route. Et là je me mets sur texte. Parce que le nom de fichier, c'est dans texte. Vous voyez, j'ai nom de fichier, nom de la copie, kit, légende, mots-clés, vous avez différents trucs que vous pouvez euh, aller chercher. Donc je veux, contient. j'ai dit un 2. D'accord. Donc si je mets un 2, qu'est-ce qui se passe Si je mets un 2, bon bah ben, il y a des photos qui sortent. Alors si je prends la première ici, je laisse la souris dessus, vous voyez que c'est IMG4208. C'est pour ça que cette photo est sortie. Mais moi je veux un 2 à la fin du nom. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du nom euh, bah, Il y a un point, d'accord Puisqu'ensuite il y a l'extension. Donc je vais faire deux points. D'accord, Et là, j'ai une photo qui sort, et si je regarde la photo, c'est underscore 92 DNG. donc j'ai bien un 2 à la fin. Alors, évidemment, si vous mettez des points dans vos noms de fichiers, d'accord, là, je ne peux plus rien pour vous, mais ça, ça vous permet de trouver les fichiers qui ont un 2. Ça peut servir à quoi euh, Lorsque vous importez des doublons, ça arrive, des gens qui se trompent et qui décochent la case de ne pas importer des doublons. Lightroom, si les photos sont au même endroit, va mettre un tiret 2 à la fin de la photo. D'accord Donc ça vous permet par exemple de retrouver toutes les photos, les photos qui ont un tiré 2 et toutes les photos qui ont un tiré 2 ont a priori une photo avec le même nom au même endroit. D'accord Ça vous permet de retrouver ce genre de choses. Alors la deuxième recherche qu'on doit faire, les photos avec le mot-clé MC1. Donc comment on va pouvoir faire ça donc je réappuie sur 100 pour être sûr. Ok, je... mot-clé, je l'ai vu avant dans texte. D'accord, ici j'ai vu mot-clé. D'accord Puis là, ici, ben, je vais mettre MC1. D'accord Et là, vous avez des photos qui sortent et qui ont le mot-clé MC1. Vous voyez ici, dans, dans les mots-clés, vous avez MC1 pour ces photos-là. Est-ce qu'il y a un autre moyen de faire ça J'aurais tendance à dire oui avec les métadonnées. Donc on va refaire 100, on va cliquer sur métadonnées. Et ici, je vais prendre, alors je mets tout partout, là, toutes les photos, d'accord Et je vais plutôt cliber là, je vais aller chercher, je, je vais voir si on peut aller chercher une colonne mot-clé, ici, mot-clé. Et là, vous voyez que j'ai MC1, d'accord Donc là, si je clique là, j'ai toutes les photos avec le mot-clé MC1. De la même manière, j'ai 10 photos. D'accord Donc vous pouvez le faire soit par les métadonnées, d'accord Soit euh, si vous ne voulez pas faire les métadonnées, vous pouvez faire par le texte, mot-clé MC1, et de la même manière, j'en ai 10, d'accord Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là déjà, il y a deux moyens de le faire. Ok Maintenant, allons voir la troisième recherche les photos avec une extension PSD. Bon, bah, ça va être dans le nom de fichier, ça, tout simplement. Donc, euh, extension PSD, ben, mot-clé, nom, c'est nom de fichier. Euh, alors, c'est à la fin, donc on peut faire, par exemple, finir par, et on va faire PSD. Voilà, et j'ai les photos avec PSD à la fin. D'accord Je pense celle-là, c'est bien euh, PSD. Celle-là, c'est bien PSD aussi. D'accord Donc, j'ai les photos avec un PSD à la fin. Ok, recherche suivante. Alors, plus compliqué, les photos avec le mot-clé MC1 et avec 5 étoiles et un libellé de couleur rouge. OK Donc là, c'est un peu plus compliqué. On y va, c'est parti. Alors, on a dit mot-clé, on va le prendre ici, mot-clé MC1. OK, donc là, j'ai toutes les photos avec le mot-clé MC1. Puis là, je vais cliquer sur attributs. Donc là, j'ai les attributs qui se rajoutent. Alors, vous voyez ici, j'ai les filtres basés sur la note. D'accord Donc je peux dire sans étoiles. Là, vous voyez, sans étoile. Ok, j'ai tout ça. Maintenant, donc je vais prendre les 5 étoiles. Donc là, j'en ai plus que 3, d'accord Et qui ont un libellé rouge. Vous voyez que j'en ai 2, qui sont là, une, deux, et là, je fais couleur rouge. Donc là, j'ai tout ce qu'il a comme mot-clé MC1, qui a cinq étoiles, et qui a une couleur rouge. Alors attention ici, j'ai le sigle supérieur ou égal, mais je peux avoir aussi la note est inférieure ou égale ou la note est. Égale à. D'accord Faites attention à ça. Donc là, OK. Donc c'était un mélange entre texte et attribut. D'accord Mot-clé fini par. Alors ce n'est pas finir d'ailleurs. Contient. Là ça marche parce que je n'ai qu'un seul mot-clé, mais si j'avais plusieurs mots-clés, ça ne marcherait pas. Donc à ce moment-là, je fais mot-clé contient MC1. Très bien. Et j'ai ça euh, à l'intérieur. Super. J'ai trouvé. Recherche suivante. Alors, rechercher les copies virtuelles. Ok, on va chercher ça. Alors, je vais déjà me mettre sur 100, d'accord Alors, copie virtuelle, ça va être dans les attributs. Donc, je vais déjà euh, arrêter les notes et arrêter le libellé de couleur pour avoir toutes les photos. Et ici, vous avez trois petites icônes, photo d'origine, copie virtuelle, vidéo. Donc, si je clique là-dessus, ça me sort que les copies virtuelles. Il n'y en a qu'une hein, dans le truc. Vous voyez, d'ailleurs, ici, c'est copier euh, 1, d'accord C'est une copie virtuelle d'une autre euh, photo. Donc c'est là que vous récupérez les copies virtuelles. Donc je reclique dessus pour annuler euh, l'effet de mon filtre. Super. Et je euh, reprends euh, la recherche d'après. Alors les photos prises en 2011 avec le mot-clé MC3 et avec un libellé de couleur bleue. Ok, c'est parti. Donc, je me mets sur 100 pour être sur texte. Donc, j'ai dit mot-clé contient, c'était MC3 ce coup-ci. OK, MC3. Ensuite, je voulais euh, comme euh, attribut que ça soit en bleu. OK. Donc là, j'ai que les bleus. Et je voulais que ça soit pris en 2011. D'accord Donc là, je vais dans les métadonnées. Donc, je rajoute les, les trois trucs. Et je dis, donne-moi les photos prises en 2011. 11. Alors, vous voyez, ici, le problème, c'est qu'il vous met zéro. Parce que, ici, j'avais MC1 qui était été sélectionné. Donc, n'oubliez pas, quand vous retournez dans une barre de filtre, d'accord De remettre à zéro vos filtres. OK Autrement, vous allez être embêté Donc, là, euh, 2011. Voilà, 2011. J'ai les photos de 2011. J'en ai sept. D'accord Donc, 2011, qui ont un libellé de couleur bleue et dont le mot-clé contient MC3. OK donc ça, ça permet de retrouver cette recherche-là. Recherche suivante. Donc ensuite, les photos prises avec un 1755 qui ont 5 étoiles et dont le nom de fichier se termine par 5. OK Allez, c'est parti. Alors, on veut toutes les dates. Par contre, on veut ici que le nom de fichier, le nom du fichier contient 5 points. Ok, ensuite ici je veux pas de couleur, je veux que ça ait 5 étoiles, d'accord, je crois que c'était le, le, le sujet, et ensuite que ça se termine par un 17,55, ben elle est là, il n'y en a qu'une. Alors je vais revoir le critère, je me suis peut-être trompé. Donc non, c'est bien celle-là qu'il fallait chercher, ce qui se termine par 5 avec 5 étoiles et un 1755. Vous voyez, alors j'en avais pas franchement besoin puisque j'ai qu'une seule photo euh, qui est au 1755. Vous voyez que cette liste-là se met à jour en fonction des critères euh, d'avance, c'est-à-dire que ici, si je retire les attributs, vous voyez que j'ai deux photos. D'accord Donc qui se termine par 5 et au 1755, j'en ai deux. OK Mais il vous a rajouté également qu'il y avait une photo qui est ici au 100 mm. Donc si je vais sur tous, ici, je les vois toutes. Donc ça, c'est toutes les photos qui se terminent par 5. OK Puis ensuite, ici, je peux affiner. C'est le principe, comme ça, vous y allez étape par étape. On va faire la dernière recherche. Donc, les photos dont le nom de fichier contient un 3, un 6, et pas de 9. D'accord Comment on va faire ça On va regarder... Donc, on oublie euh, les métadonnées, j'en ai pas besoin. Alors, le nom du fichier, euh, fichier contient tout. Là, on va mettre. Il doit contenir un 3. Ok Donc là, j'ai différentes photos qui vont apparaître. J'ai en effet euh, un 3 là-dessus, 3948. 39, j'ai un 3 là-dessus, 523. Ok Donc, un 3, un 6. Ah, là déjà, j'en ai moins. Donc là j'ai un 3 et un 6, 33, 66, ici j'ai un 3 et un 6 aussi, celle-là j'ai un 3, un 6, mais j'ai un 9. D'accord, et celle-là j'ai un 3, un 6, un 8, mais euh, j'ai pas de 9. Donc normalement celle-là, quand mon critère sera bon, euh, elle devrait disparaître. Mais ben, en fait vous avez un opérateur de négation. D'accord Qui est le point d'exclamation. Et je dis, et pas neuf. Voilà, et la photo qui avait le 9 a disparu. Donc voilà comment vous pouvez faire des recherches un peu plus compliquées à l'intérieur de euh, vos photos, sans utiliser les euh, collections dynamiques. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez réussi. Et que dorénavant, quand je vous dirai regarde si tu n'as pas la photo img underscore 328 euh, quelque part dans le catalogue, vous saurez rechercher ça facilement. Voilà, merci, au revoir.